Comment ça va YouTube? Y'a l'œuf, y'a l'œuf. Ni xiao, ni chou. C'était la variation chinoise. Bon les gars, on a fait une grosse vidéo la semaine dernière et aujourd'hui j'ai juste envie de chiller. Du coup je me suis dit que ce serait cool de vous laisser faire la vidéo à ma place. Oui, je suis arrivé à ce stade là maintenant. Et du coup dans la semaine je vous avais laissé un petit lien sur Twitter avec un drive où le but c'était de m'envoyer vos vidéos les plus drôles. J'aurai en tout 3 vies durant cette vidéo, si jamais je rigole 3 fois je meurs. C'est aussi simple que ça. Vous ne m'aurez pas et à l'issue de cette vidéo je n'aurai rigolé que 0 fois. Vous n'y arriverez pas. Alors avant qu'on commence, on va quand même définir un petit peu. Souffler du nez et sourire, ce n'est pas rire, d'accord? Donc j'ai le droit de faire ça au moins. Bref, moins de blabla, moins de rire, c'est parti! Ok les gars, nous voici sur le drive. Hein. Alors il y a un peu de tout, hein. Il y a des liens Twitter, il y a des liens YouTube. Espérons juste qu'il n'y ait pas des liens... voilà quoi. On va commencer par Megan Like Car qui nous a laissé un petit commentaire à voir jusqu'au bout. Ah, je l'ai vu Batman en plus. Il est ok le film en vrai, il aurait pu être mieux. What are you doing? I'm Batman. I'm Peter. I'm Vengeance. C'était pas drôle. Là, je rigole, mais j'ai le droit parce que je rigole pas au clip. Mais c'était pas drôle. Allez, prochaine vidéo. Boy Steve Level. Cocasse. Ah non, ça va être dur. C'est une vidéo de Dylan Cujo, mec. Ah ouais. Ah, si c'est une vidéo de Dylan Cujo, ça risque de... les gars, en fait, si vous connaissez pas, c'est un compte Twitter, les frérots. C'est du shitpost à l'état pur, c'est un régal. Et à chaque fois que je la regarde, ça me fait rire. Donc là, je risque peut-être de perdre une vie, mais je vais me retenir à fond. Tu ne mourras pas, Dylan. Ok, le premier chien, il est méchant, ok. Lui, il a l'air traumatisé et quoi. Ah. Alors, c'était cute, mais ça m'a pas fait rire. Tu sais quoi, je vais commencer à rajouter une colonne au tableau où ça va être commentaire d'Henri. Comme ça, si jamais ils checkent le drive, ils vont savoir ce que j'en ai pensé. C'était nul. Alors, prochaine vidéo, Zom 888, étonnant. Je suis prêt à être étonné, Zom. Dans là, je suis en train de manger de la brioche, commencer, bon sa mère la pute. J'ai pas rigolé. J'ai pas rigolé, j'ai failli en vrai. Le mec était trop content de manger de la brioche quoi. Samy, ça compte si je rigole après le clip ou pas? Bah oui. Ah bah ça va. Là tu perds une vie hein. Hein? Là tu perds une vie hein. Quoi? Tu regardes le truc, ok tu rigoles pas pendant la vidéo mais après t'évacues en rigolant après. Sérieux? Mélissa, tu lui enlèves une vie au montage. Est-ce que je peux marchander et dire que là j'ai pas perdu parce que je savais pas? Vas-y, bah Mélissa te remet ta vie du coup. Ouais. Par contre à partir de là je pense que vraiment genre... Zéro. Zéro rigolade. Prochaine vidéo, Irum Dio. Il faut leur apprendre que la vie est injuste. Oh mon dieu, ça c'est un clip sur un enfant. C'est sûr que l'enfant il va se faire dégommer par un truc. Ok. Il a sorti Mewtwo et lui il sort Spectrum. Benjamin, it's okay if you lose. J'ai pari. Arrête de me regarder comme ça, j'ai pari. C'était pas mal. J'aime voir les enfants pleurer. Allez, Power Ranger, rapide et efficace, très bien. Putain, mais il dure 1000 ans son rire. En vrai, il est communicatif. Mais je ne rigole pas, je garde mes vies. Next vidéo. Ça va vite, hein, mine de rien. Mais par contre, il va vraiment falloir step up vos trucs, hein. Parce que là, pour l'instant, c'est limite trop facile. N'hésitez pas à en mettre d'autres, en vrai. C'est peut-être... le début d'une prochaine série en vrai hein, de vidéos. Pourquoi pas? Eh ben écoutez, on vous laissera le lien du drive en description si jamais vous voulez continuer à envoyer des liens pour qu'on fasse des épisodes supplémentaires plus tard, etc. Et sans transition, on va attaquer la prochaine vidéo. Tu viens de m'envoyer une vidéo? Ok, là c'est un coup de Trafalgar côté Samy qui essaie de me retirer une vie. When cops mix up the weapon at home. You little rascal! Oh no! Squirt me, daddy! I'm gonna get you. Ça va, je m'en tire, franchement, ça va. Il y a eu un petit... Oui, ça va. Mais ouais, j'ai pas perdu une vie sur ça. Non, t'as tanké. Ah, j'ai tanké. Je suis Garen. Une autre. Tu m'en envoies une autre? Je vais en envoyer une autre et je vois. Alors, moi, je la connais, mais je vais voir ta réaction pendant la vidéo. D'accord. C'est un hamster? Si tu veux peut-être la revoir une fois, peut-être. Tu trembles beaucoup quand même. C'était pas mal. Vas-y. Je suis trop fort. Ouais, je suis trop fort. J'ai rien à dire en fait. Pourquoi est-ce qu'on t'a donné 3 vies de base? En fait, il m'aurait fallu de me donner juste une vie en fait. Allez, joueur manque encore. Prochaine vidéo. Go.
Mec, je crois qu'il n'y a rien de plus drôle que de voir un gosse se faire mal. Est-ce que je suis quelqu'un de sadique? Peut-être, mais j'adore ça. Ah, Sozega! Nous avons une vidéo qui nous a été proposée par notre monteur de la chaîne gaming, les gars. Erwan, attention, parce que là, tu représentes la Hashcore. Donc si jamais ça pue la merde, c'est viré. MILF. Man, I love frogs. Bon, Samy, je pense qu'il va falloir qu'on rédige une petite lettre pour lui dire que c'était une belle aventure, mais qu'on va devoir se séparer de lui, malheureusement. N'hésitez pas à proposer vos candidatures de monteur. Commentaire, c'est viré. Salut, mon pote. Born Fat, qu'est-ce qu'il nous en veut? Shrek versus Thanos. Non, mais c'est Despacito. Oula. Le vaisseau, ça c'est le bus de Fortnite, ça je reconnais. Oh là là. Thanos, il est pas content, il va claquer des doigts là, il va tout tuer. Petit dame, petit dame. Non. Je suis dans une incompréhension, les gars. Il vient de faire un backflip sur la mort de ses potes. Putain, les gars, en fait, c'était ça qu'il nous fallait dans Endgame. On s'en fiche de Thor, on s'en fiche de Tony Stark, on s'en fiche de Captain America. Tout ce qu'il nous fallait, c'était Shrek. Non, Shrek! Miles and miles from your nice warm bed. Vous avez un humour éclaté, hein. Ouais, c'est non. Très grave. Mais mec, en fait là, tu te rends compte que je me suis donné 3 vies au début de la vidéo, mais en fait, ils vont même pas réussir à m'enlever une. Mais en fait, les gars, vous êtes tellement nuls, vous savez quoi? Vous êtes tellement nuls! Je vais me retirer 2 vies tout seul automatiquement. Obligé de faire ça tellement vous êtes nuls. Ça, c'était drôle. Les gars, j'ai pas envie de paraître pour un mec horrible parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un gosse qui se fait mal, je suis sur le point de rigoler. Prenez vraiment pas ça comme du sadisme, mais c'est si drôle. Oh, il y a encore un enfant qui va se faire mal. Oh, ça va régaler. Oh my god, j'ai unjumped it. J'adore les gosses qui se cassent la gueule. Oh, frérot, mais il est mort, Samy. Franchement, c'est un beau smash. Par contre, c'est un beau. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Par contre, c'est parfait, quoi. C'est parfaitement exécuté. C'est un downer, mon gars. Nikos, ta cravate. Je l'ai dans mes signets depuis 2 ans. C'est un classique. Allons voir ça. Oh. Oh là tu rigoles hein. Si, si tu rigoles un peu, si là tu rigoles là. Ah. Oh non. Non mais mec faut que tu viennes. Non là pour le coup c'est le genre de truc qui me fait rire. Les perfectly cut screams. Les cris qui sont bien coupés au montage, c'est très très très, très drôle. Là, moi je rigolerai pas. C'est terriblement drôle. Il a pété la gueule. Ah si, tu rigoles toi aussi là. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Bah écoutez, merci à tous ceux qui ont participé dans ce drive, hein, pour tous les liens que vous m'avez envoyés. Il y a certains qui étaient quand même assez drôles, mine de rien. C'était pas toujours facile, mais comme j'ai dit au début de la vidéo, vous ne m'avez pas fait tomber. Il a fallu l'effort combiné d'énormément d'entre vous pour que, enfin, Nico Starcravate me fasse tomber. Et ça, c'est pas normal, parce que je pense que vous pouvez faire beaucoup mieux. Donc si jamais on fait une autre vidéo, you laugh, you lose, ni xia, on est chaud, comme on dirait en chinois, n'hésitez pas à mettre plus de trucs, tu vois. D'ailleurs, rien à voir avec la vidéo actuelle, mais je me permets de faire une petite aparté sur la vidéo qu'on a sortie la semaine dernière. Merci beaucoup pour vos retours, hein. On avait fait cette petite prod qui était assez sympa
à faire. On avait pas mal bossé dessus et ça fait super plaisir de voir tous vos retours dessus. Donc merci beaucoup pour tout ça. Comme je vous l'ai dit en début d'année, on essaye vraiment de faire step up la chaîne au niveau de l'écriture et des productions. Donc ça fait vraiment plaisir et c'est très encourageant de voir vos retours dessus. Merci beaucoup, vous êtes les best. En tout cas, moi, ça me motive pour la suite à me donner toujours plus. Et bah écoutez, hâte de vous montrer les prochains projets. Et comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace! Je viens de lâcher une énorme Pokéball en termes de postillon. Même la monteuse l'a reçue.